L'église l'a libéré pour sa carrière, bien entendu, hein, pour sa carrière. Mais Manassé Sinda a été à l'église le dimanche, au deuxième culte, et il a chanté, il a célébré son Dieu. Et Papa César Sinda également, Maldini va devoir mettre ça, vous allez voir ça. Papa César Sinda également, les États-Unis dans le souci de lui soudoyer, dans le souci de lui convaincre à changer de nationalité, à une période, on a consommé le billet de 100 dollars ayant l'effigie de César Sinda. Regardez combien cet athlète, ce grand boxeur, avait de la valeur aux États-Unis. Cependant, lui, dans le souci de son pays, la République démocratique du Congo, il a refusé de changer de nationalité. Pasteur Dozinik TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Shalom à vous, aimables internautes. Bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez devoir nous suivre. Allez, c'est votre émission Analyse qui débarque après un long moment de trêve. Vous le savez bien que cette chaîne s'est donné un credo. Et le credo, c'est la chaîne de votre édification. Lorsque nous apparaissons devant vos écrans, devant vos téléphones, vos machines, c'est pour parler rien que de choses qui édifient. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance, qui nous aimez, qui nous encouragez au travers de vos coups de fil, au travers de vos commentaires. Et il y en a d'autres qui sont vraiment devenus pour nous une famille parce qu'ils nous appellent, quand bien même qu'il n'y a pas d'information, mais on s'appelle, on s'informe, on partage la parole, on prie. En tout cas, je le dirais bien que vous êtes une famille de plus que le Seigneur nous a accordé. À vous tous et à vous toutes, soyez très, très bénis. Allez, sur l'émission Analyse, lorsqu'on dit analyse, c'est qu'il y aura de faits, il y aura de choses, il y aura également des réalités autour desquelles nous allons devoir
à notre niveau, essayer d'analyser. Et cette émission, vous le savez, que nous l'animons pratiquement en français. La raison est connue de tout le monde. Sur Pasteur Dozinic Télévision, nous avons plusieurs colonies et il y en a certains qui ne comprennent pas le lingala. Et pour eux, on a conçu quelques deux, trois concepts qui soient entièrement animés ou dirigés en français afin de pouvoir leur permettre aussi de comprendre un certain nombre de choses. Allez, la toute dernière mission que nous avions balancée dans votre chaîne date pratiquement de 14 jours. Hein. C'était la visite surprise que l'entreprise Maloutawa et ses partenaires ont dû réserver à notre papa, le champion César Sinda, à l'occasion de ses 75e anniversaire. C'était extraordinaire, vous avez été très nombreux à commenter sur ça. Que Dieu vous bénisse. L'entreprise Maloutawa, qui est une très belle entreprise, et par rapport à cette surprise, je souffrais que je prenne mon carnet, il y a eu quand même des personnes qui se sont signalées, qui ont été à l'origine de cette action. Cette très belle action, en tout cas pour une personne oubliée de la République, hein, parce que nous sommes en train de travailler pour que ces grands champions puissent retrouver ses droits, ces grands champions puissent rentrer dans ses droits. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de toquer ça et là, d'entrer par-ci, par-là. Dieu fera grâce, je crois. Nous sommes votre interprète. Nous reviendrons toujours ici afin de pouvoir vous donner les retombées de toutes les démarches que nous sommes en train de mener pour que Papa César Sinda, je rappelle, qui est un ancien champion d'Afrique en 1968 dans le jeu africains de boxe, hein. C'était le championnat africain de boxe amateur organisé en Zambie, précisément dans la capitale Lusaka. Parmi les 9 boxeurs congolais qui ont représenté la République démocratique du Congo, il était le seul boxeur congolais à pouvoir arriver en finale et à glaner une médaille d'or. Alors, à son retour, le feu maréchal Mobutu Sese Seko avait donné des instructions claires et nettes à celui qui était le ministre de sport à cette époque-là, le feu Frédéric Kibasa Maliba, afin que le champion César Sinda puisse aussi être récompensé, parce que cela venait d'arriver 2 mois après que le Léopard Football puisse gagner la Coupe d'Afrique. Donc, vous connaissez bien la cité Salongo. Il y a toute une cité à Lemba Salongo qu'on appelle cité Léopard. C'est dans cette cité-là que le maréchal avait ordonné à ce que chacun des artisans de ces sacres, de ces trophées, puisse avoir une parcelle, un véhicule et une enveloppe consistante de l'argent. Alors 2 mois après, César Sinda également, le maréchal ordonnait au ministre des Sports pour que lui aussi puisse avoir une parcelle. Mais puisqu'à Salong, il n'y avait plus d'espace, le maréchal avait demandé à ce que l'on lui accorde une parcelle alimentée 12e rue, un véhicule et puis une bonne enveloppe. Allez, on en a déjà beaucoup parlé, on ne reviendra pas trop sur ça. Donc notre démarche consiste à pouvoir rappeler les autorités, rappeler les décideurs, que c'est d'une fils du pays qui, du reste, quand il est allé aux États-Unis, il a mis plus de 4 ans aux États-Unis, on lui a même proposé la nationalité américaine, mais dans le souci de continuer à représenter son pays, la République démocratique du Congo, César Sinda a refusé, je dis bien, il a refusé. Alors, nous sommes en train de passer d'une émission à une autre et les bonnes volontés ont commencé à se manifester. Voilà qui justifie l'action
que nous vous avons diffusé il y a de cela pratiquement 2 semaines, c'est que l'entreprise Maloutawa a été saisie et les gens ont contribué pour essayer d'apporter à ce dune fils de la République démocratique du Congo ces produits de première nécessité, d'ailleurs les images ont parlé d'elles-mêmes, vous avez vu, mais on n'a pas eu le temps de citer nommément les personnes qui ont travaillé pour que cette action soit menée. Alors nous remercierons en passant ici l'entreprise Hydro-Québec, l'entreprise Hydro-Québec, et puis il y a Maman Léa Ndimbu, je ne sais pas si j'ai massacré le nom, Maman Léa Ndimbi, également Maman Sociale. Voilà les personnes qui, de connivence avec Maman Mado, j'ai découvert encore votre sobriquet, Maman Malou, hein. On t'appelle Maman Moda. Donc, Maman Malou, et autrement dit, Maman Moda, ensemble avec Hydro-Québec, l'entreprise Hydro-Québec, je cite Maman Léa Ndimbi, et puis Maman Sociale, qui sont donc les personnes qui ont été touchées et qui ont compris qu'ils ne sont pas décidaires dans la République démocratique du Congo. En tout cas, Maman Léa Ndimbi, Maman Sociale, entreprise Hydro-Québec, mais également Maman Malou, Moda, l'entreprise Maloutawa. Soyez à Solo Pinabozaki, à Taba ministre de Namboka Oyo. Je crois que Papa César Sinda Alingi a lela Nengazo Lelate. Je rappelle que je rentre en français parce que c'est l'émission analyse. Hein. Ça, c'était une parenthèse à Lingala. Je rappelle que en 1968, quand Papa César Sinda glanait pour la toute première fois la médaille d'or dans le championnat africain de boxe amateur, il n'avait que 20 ans. Hein? Figurez-vous, il n'avait que 20 ans. Mais aujourd'hui, le jour où nous sommes allés lui donner cette action, ce bien que vous lui avez envoyé, à l'occasion de ses 75 ans d'âge, voyez-vous-même, donc cela faisait à peu près 57 ans après que ce boxeur a été abandonné à son triste sort. Nous vous avons balancé une télé-réalité dans laquelle on a accompagné l'entreprise Maloutawa, et l'entreprise Maloutawa, bien entendu par les biais de ses délégués, est arrivée jusqu'à la résidence de Papa César, vous avez suivi, et Papa César n'a pas manqué de mots. Il a eu même de pleurs, il a pleuré. Voilà, il a pleuré. Il nous a dit ceci: depuis qu'il est né et depuis qu'il est champion, c'était la toute première fois qu'il voit un groupe de gens s'organiser et venir, à l'occasion de son anniversaire, lui accorder ces symboles-là d'un peu de carton de poulet. Il y avait pratiquement quelques biens qui pouvait aider la famille pour 2, 3, 4, 5, 6 jours afin que la famille puisse vivre. Alors, on n'a rien fait, on vous a seulement balancé, mais il était quand même question que nous puissions analyser sur ça. Trouver au travers ces faibles mots que je suis en train de donner notre marque de reconnaissance, vous tous qui avez mis la main dans la poche afin de pouvoir soutenir notre champion, Papa César Sinda. Pour rappel, Papa César Sinda, c'est lui d'ailleurs le père, le géniteur de notre frère. C'est lui que vous aimez bien. En tout cas, le Canada, les États-Unis, l'Europe dans son entièreté, l'Asie même, l'Afrique, sans oublier la République démocratique du Congo. Vous tous, vous aimez beaucoup Manassé Sinda. Et donc, Papa César Sinda, c'est celui-là d'ailleurs le père biologique de notre bien-aimé, le frère Manassé Sinda. Un tel acte mérite d'être encouragé. Voilà pourquoi nous organisons ces plateaux. Voilà pourquoi,
en tout cas, dans notre conducteur d'aujourd'hui dans l'émission Analyse, on a préféré commencer par ça. Bien des jours se sont écoulés, oui. Allez, Pasteur Dozini qui est dans beaucoup de choses à la fois. Comprenez que j'étais dans beaucoup de choses, mais également j'étais aussi un peu alité. Hein? J'étais aussi un peu alité. Je travaille tellement dur que j'étais pris par un surménage aigu et que je ne pouvais pas me mettre devant la caméra durant toute cette période-là. Et même prendre les téléphones, il était question que j'utilise ce que vous appelez l'haut-parleur, hein? La main libre, parce que le médecin avait même interdit à ce que je puisse mettre le téléphone tout près de l'oreille, parce que l'oreille, vous voyez, l'oreille, ça se trouve vraiment dans la tête. Mais maintenant, le Seigneur a fait grâce et on a repris, on est en forme, on a repris. Alors, on ne pouvait pas aller dans d'autres choses sans pour autant commencer par ça, parce que ça fait parler beaucoup de gens. Vous êtes plus de 20 000 personnes à suivre cette télé-réalité, ça fait 20K aujourd'hui. En tout cas, si vous entrez, vous allez trouver que ça fait 20K, donc 20 000 vies. Alors, vous tous là, nous vous disons de tout cœur, merci. Beaucoup également, vous avez réagi pour dire comment nous allons faire nous aussi pour pouvoir soutenir les champions. Allez, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter. Ou carrément, je l'ai dit, je le dirai encore au deuxième point. Parce que analyse d'aujourd'hui, nous serons dans 3 points. Nous commençons par les champions César. Je le dis. Ou carrément, vous pouvez contacter l'entreprise Maloutawa. Maloutawa qui a son quartier général, bien entendu, au Canada. Mais il a aussi des succursales. Hein. Il y a aussi des succursales à Paris, partout. Je vais y revenir avec force détail quand je vais parler du deuxième point. Mais en tout cas, vous tous qui avez ces soucis-là, sinon les fardeaux, de soutenir notre champion, Papa César Sinda, faites-le. Je crois que les personnes qui l'ont fait, ils ont été touchés comme vous. Et ils ont compris que la meilleure adresse, c'était passer par Maman Malou, Maman Moda Moda. Et voilà, et leur action est très bien arrivée. Vous avez suivi en image, c'était sans commentaire. Vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, l'émission est toujours là dans votre chaîne Pasteur Dozini TV. Vous pouvez aller suivre comment nous, hein, nous, Pasteur Dozini Télévision, nous avons accompagné l'entreprise Maloutawa. Nous les avons justement accompagnés. Ils étaient là avec leur voiture, avec tous les biens à bord de la voiture. Nous les avons accompagnés jusqu'à la résidence de Papa César Sinda. Et l'action est très bien arrivée. Vous avez même là le mot de Papa César Sinda, des mots émouvants de Papa César Sinda. Et après ça, il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont manifestés. Les uns ont dit qu'ils sont prêts à pouvoir nous aider pour étoffer la documentation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le dossier est entre les mains d'un cabinet d'avocats. Je ne citerai pas le nom de cet avocat parce que c'est un avocat très prestigieux. Je préfère garder l'anonymat. Mais je vous dis que grâce à Maman Hélène Bungoudi, hein, Maman Hélène Bungoudi en France, à Paris, hein, elle aime bien qu'on l'appelle Ma Bungoudi. Hein, grâce à Maman Hélène Bungoudi, Ma Bungoudi depuis Paris. D'ailleurs, Maman Hélène sera avec nous, je crois, cette semaine. Si tout va bien, elle sera avec nous déjà à Kinshasa, toujours dans le souci de pouvoir continuer avec les dossiers. Grâce à elle, Maman Hélène a pris en charge pratiquement le gros de tous les frais que cela va devoir demander afin que ces cabinets d'avocats puissent travailler d'arrache-pied pour que le dossier de notre papa, Papa César Sinda, notre champion, puisse trouver un écho favorable. Quand je parle de ce cabinet, je ne parle pas d'un cabinet moindre, c'est un grand cabinet et nous n'avons pas ici l'autorisation de citer le nom de ce cabinet, sinon l'avocat principal de ce cabinet, mais notez seulement que c'est un cabinet très prestigieux qui attend à ce que nous puissions leur offrir tous les documents possibles. Nous avons en notre possession déjà un lot de documents. Mais il y en a encore d'autres documents qui manquent, entre autres les documents audiovisuels. Parce que c'est un boxeur, il s'agit d'un champion. Malheureusement, la République démocratique du Congo,
n'a pas pu acheter le film de Lusaka. Et donc, notre chaîne nationale, bien entendu, n'a pas pu acheter la vidéo de Lusaka, mais également le différent combat que Papa César Sinda a livré pendant son séjour aux États-Unis. D'ailleurs, il vous souviendra que c'est là où il est allé battre Suga Ramos, qui était le champion du monde, le tenant du titre, en 1972, donc 1972 pour nous les Belges, pour nous les colonies belges, je voulais dire, parce que nous ne sommes pas Belges, nous sommes Congolais et nous sommes fiers de l'être. Pour nous, les colonies belges, nous disons 1972, c'est-à-dire il a été sacré champion en 1968 pour le compte de l'Afrique. Et en 1972, donc en 1972, aux États-Unis, il a croisé les gants avec un champion, Suga Ramos, qui était réputé par des combats mortels. C'est-à-dire Suga Ramos montait au ring et terminait le combat après avoir tué son adversaire. Et il venait, avant d'affronter César Sinda, il venait déjà d'affronter trois boxeurs qu'il avait tués sur les rings. Donc, Bitumbezo Sila, adversaire à Koufi. Donc, il avait cette réputation-là. Et lorsqu'il devait être aux prises avec César Sinda, ce dernier d'ailleurs a dit à César Sinda de ne pas monter sur les rings parce qu'il disait de César Sinda que tu es tellement beau, je ne vais pas te tuer, je ne vais pas t'abattre. Mais ce jour-là, César Sinda était plus fort que lui et César l'avait battu au 10e round, bien sûr, au 10e round, César Sinda avait mis Suga Ramos KO. Malheureusement également, ces images-là, la République démocratique du Congo, c'est-à-dire notre télévision nationale, n'a non plus réussi à pouvoir les acheter. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il nous manque des vidéos dans ce sens-là. Papa César nous a donné des adresses électroniques et on en a à peu près 5. Merci à un frère des États-Unis. Allez, le nom m'échappe, mon frère, excuse-moi, le nom m'échappe. Hein. J'avais votre nom avant de commencer ce... avant de commencer cet enregistrement. Et il m'a appelé, il m'a demandé de lui renvoyer toutes ses adresses électroniques. Nous comptons beaucoup sur vous, mon frère. Lui nous a dit qu'il va tout faire pour arriver même jusqu'au siège de WBA. Hein. Nous disons WBA. WBA, hein, qui se trouve être la fédération internationale qui organise des combats de cette envergure. Je crois que notre frère est en train, il est à pied d'œuvre, il est en train de travailler pour nous apporter des images. Certaines personnes également nous ont envoyé, il y a une seule image, en tout cas si vous tapez César Sinda sur YouTube, sur Google, il y a un seul combat, c'est son combat qu'il a livré avec Firmino Soto. Et c'est le combat où Papa César avait perdu. Nous disons que ce combat-là, c'est bon pour les images, mais ça ne va pas beaucoup parler pendant que les avocats vont se mettre à pied d'œuvre pour aller plaider la cause de ces grands champions. Nous voulons avoir le vidéo. Ces vidéos-là, vous tous qui nous avez envoyé ça, merci, hein, on en a déjà. Parce que, bon, bien entendu, dans la carrière, il n'a pas seulement gagné. Il a aussi perdu certains combats. Mais nous voulons aussi avoir des combats dans lequel César Sinda a gagné. Voyez ? Parce que le cabinet d'avocats veut avoir toute le preuve. Vous savez que le droit s'est dit avec le preuve. Donc c'est à cette étape-là où on est un peu bloqué momentanément, mais nous sommes à pied d'œuvre par la grâce de Dieu et par votre concours, vous tous de la diaspora. Vous êtes très nombreux, vous êtes aux États-Unis, vous nous suivez. Vous pouvez aussi vous rendre à la WBA là-bas, hein, WBA, pour réclamer, hein, réclamer, chercher de voies et moyens pour que l'on puisse enfin nous donner le différent combat de César Sinda pendant son séjour aux États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on a demandé, je vais vous balancer une image. Semble-t-il que tous les champions américains, on leur donne, tous les champions américains
ils ont un quota. Pendant la période où ils font rage, les États-Unis impriment des billets de dollars avec leurs effigies et ces billets sont consommables seulement dans le milieu des boxeurs. Et Papa César signe également. Maldini va devoir mettre ça. Vous allez voir ça. Papa César signe là également. Les États-Unis, dans le souci de lui soudoyer, dans le souci de lui convaincre à changer de nationalité, à une période, on a consommé le billet de 100 dollars ayant l'effigie de César Signe. Regardez combien cet athlète, ce grand boxeur, avait de la valeur aux États-Unis. Cependant, lui, dans le souci de son pays, la République démocratique du Congo, il a refusé de changer de nationalité. Il est resté congolais et il est rentré. Aujourd'hui, il est séculé. Peut-être, les autres diront, il a été, passez-moi l'expression, il a été imbécile de s'accrocher à sa nationalité congolaise alors que les États-Unis lui offraient mieux. Mais de l'autre côté, nous dirons, non, c'est un vrai patriote qui savait que le Congo devait aussi entrer dans l'histoire. Malheureusement, je dirais encore malheureusement, que pour Papa César Signe, les choses ne se sont pas passées telles que lui le pensait. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est encore vivant. Et gloire soit rendue à Dieu parce que vous, vous êtes là. Nous, nous sommes là. Nous pouvons aussi faire quelque chose pour que ce grand monsieur, ce digne fils de la République démocratique du Congo, retrouve, n'est-ce pas, ses droits. Nous allons y revenir avec force détail dans les prochaines émissions d'analyse avec d'autres preuves. Mais sinon, retenez que nous avons un lot. Même son palmarès, nous en avons déjà. Et retenez également, vous avez vu, hein, Maldini vient de vous balancer le billet de dollars qui, à une certaine période, avait été consommé dans le millier de boxeurs contenant ou ayant l'effigie de César Signe. Vous qui êtes aux États-Unis, vous pouvez vérifier ça. Vous trouverez que les choses que nous sommes en train de dire sont des choses vraies et vérifiables. On a consommé l'argent, le billet de dollars ayant l'effigie de César Signe. Parce que pour les États-Unis, c'était un grand champion. Parce que c'est le seul champion qui, après avoir battu Sugar Ramos s'est décidé de mettre fin à sa carrière. Donc, il a mis fin à la carrière des grands champions du nom de Sugar Ramos. On est allé même dans les différentes plateformes de Sugar Ramos pour chercher ce combat-là. Vous connaissez les Blancs. Sugar Ramos, même lui, n'a pas mis ce combat-là parce qu'il a perdu. Il n'a mis que des combats dans lesquels il a gagné. Mais le combat où il a perdu avec César Signe, en tout cas, il n'a pas mis. Mais les adresses électroniques pour retrouver toutes ces batailles, Papa César nous a donné ça. Il y a un ami il est à New York qui a déjà tout ça. Il est en train de faire des démarches. Nous osons croire que ces démarches finiront par aboutir. Donc, Mama Moda, l'entreprise Québec, Mama Sociale, Mama Ndimbi, vous tous, nous vous disons de tout cœur, merci. Vous voulez vous aussi faire quelque chose, le numéro est au bas de l'écran, c'est le numéro du pasteur Dozinik, vous allez m'avoir, vous pouvez directement avoir les contacts de l'entreprise Maloutawa, et avec Maloutawa, c'est sans faute, ça va se passer sans faute. Allez, c'était le tout premier dossier sur lequel l'émission Analyse voulait s'apesantir pour le compte d'aujourd'hui. On va prendre le deuxième dossier. Certainement, vous vous posez la question, Manassé Azawad. C'est ça la question, non? Vous êtes très nombreux à nous appeler. Vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous poser la question. Où se trouve Manassé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Allez, c'est le deuxième point dans l'émission Analyse que nous voulons aborder. Et après, nous irons dans le troisième point pour clôturer l'analyse d'aujourd'hui. Allez, Manassé Signe, Manastar alias Soukaina, votre artiste que vous avez porté tout haut, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous, chers internautes, Congo, Afrique, Europe, Amérique, Asie, c'est grâce à vous que Manassé Signe est
monter sur le podium parce que Maldjabou avait besoin de 4 champions. Et grâce à vous, Manassé s'est retrouvé parmi les 4 champions. Donc, moi personnellement, je ne cesserai de vous dire merci. Je ne cesserai de vous témoigner notre gratitude. Et j'appelle ça devoir de redevabilité. Vous avez donc le devoir, nous avons donc le devoir de vous informer sur votre artiste. Et vous avez le droit de recevoir de nous toutes les informations y afférentes. Très bien. Manassé Sinda est parmi les 4. Ils sont encore à Pamoja. Encore. Malaika House, hein? Parce que parfois, les noms, parfois ça nous embrille. Il y a Malaika House, il y a Pamoja. Pamoja, c'est la salle. Malaika House, c'est maintenant le lieu où le candidat habitait. Donc, les 4 premiers, à ce que je sache, ainsi que les autres, sont encore à Malaika House. Pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils doivent travailler avec le coach, travailler avec les arrangeurs, tout ça. Parce qu'ils sont en train de travailler déjà chacun son album. Parce que le premier avait droit à 8 titres, le deuxième, je crois, 6 titres, le troisième, 5 titres, et puis Manassé, le quatrième, 4 titres. Donc, ils sont en train de travailler, ils n'ont pas croisé les bras. Voilà qui fait que vous n'ayez pas trop d'informations sur eux. Contrairement aux autres candidats, parce que parmi les 60, eux tous ont réussi à avoir des contrats. Mais en tout cas, à partir du 5e jusqu'au 60e, ce n'est qu'un seul titre. Donc un single. Voilà pourquoi ils ne sont pas vraiment trop pris que les 4 gagnants, parce qu'eux doivent travailler sur les albums. Parce que quand vous devez signer 4 titres dans le langage déjà artistique et musical, c'est un album. Vous comprenez un peu la différence. Voilà pourquoi vous pouvez voir les autres faire d'autres productions. Ici, je fais allusion à mon frère que j'aime bien, le frère Grâce Lokwa. Vous sentez qu'il est déjà, il a pris de l'ascenseur, hein, il est allé, il est parti. Il a été de l'autre côté du Nigeria pour un featuring. Et voilà, on apprend qu'il devait aussi atterrir en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pourquoi? Je vais d'ailleurs vous dire aussi la raison. Donc voilà. Au mois de mars, toutes les artistes féminines, toutes les artistes féminines de Madjabou, le Ritzki Mongoli, le Liv Diabanza, le Grâce Mouadi, les Alice Moussavouli, tout ce monde-là, toutes les filles, ont été au studio et elles ont fait un titre intitulé, je crois, Nous sommes les femmes, je crois. C'était dans le cadre de moi dédié à la femme. C'était extraordinaire. Bravo à elle, Alice. Elles ont fait un bon travail. Un très bel titre, je vous assure. Vous êtes très, très informés que nous. Donc, comme je disais, les Alice et les autres ont fait ça. Alors, les hommes ne pouvaient pas aussi rester comme ça. Parce que juste après le mois de la femme, il y a le mois d'avril qui est un mois de la résurrection pour nous chrétiens. C'est le mois de la résurrection, c'est le mois pascal, c'est le mois de la Pâque. Alors, les hommes également se sont retrouvés pour faire quelque chose par rapport à la Pâque. Donc, ils ont fait quelque chose par rapport à la Pâque. Si vous allez dans la chaîne de Madjabou Gospel ou dans différentes pages de Madjabou sur Facebook, sur Instagram, vous allez voir déjà le teaser qui annonce pour ce vendredi, pour ce vendredi déjà, la sortie de ce titre de la Pâque. Donc voilà, ils étaient là, concentrés, en train de travailler sur ça. Et ils ont même fait le déplacement de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont été en Côte d'Ivoire la semaine passée. Ils ont fait 2 à 3 jours. Je vous donne les informations. Parce que vous avez été très nombreux à m'appeler pour me demander Manassé Azawapi. Manassé est où et qu'est-ce qu'il est devenu? Donc ils n'ont pas croisé les bras. Ils sont tous en train de travailler. Surtout eux, le gagnant. Ils sont vraiment dans beaucoup de choses à la fois. Donc ils ont été en Abidjan la semaine passée. Ils ont fait 3 jours.
dans le souci de terminer les clips de ce teaser-là que vous voyez là, le clip qui sort déjà ce vendredi. Donc, il y a une grande partie de ces clips qui a été tournée au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont été en Abidjan pour 2-3 jours et ils sont revenus. Et aussitôt revenus, le dimanche de la Pâque, nous étions avec Manassé Sinda à l'église. Voilà. Vous savez que Manassé Sinda a une église d'attache. C'est cette église-là qui est aussi, qui l'a aussi porté Olma. Et il est toujours fidèle à son église, quand bien même que, officiellement, l'église l'a libéré pour sa carrière, bien entendu, hein, pour sa carrière. Mais Manassé Sinda a été à l'église le dimanche, au deuxième culte, et il a chanté, il a célébré son Dieu. C'est l'élément que je vais vous laisser découvrir, hein. C'est l'élément que je vais vous laisser découvrir, parce que notre Manassé reste toujours égal à lui-même. Il reste Manassé Sinda, un garçon humble, un garçon timide physiquement, mais une véritable bête de scène lorsqu'il est sur scène. Il a été le dimanche, donc ils sont revenus, je crois, le jeudi, hein, dans la soirée. Ils ont pris leur vol pour Abidjan le mardi, le lundi. Ils sont revenus le jeudi dans la soirée. Et le vendredi, le samedi, le dimanche, Manassé est venu célébrer la résurrection du Seigneur dans son église. Il a chanté avec ses amis à l'église. Et il nous a aussi fait du bien avec la sœur Délice, hein. L'église Héritage de Vainqueur est remplie de talents. Ils nous ont fait beaucoup de bien pendant les moments des offrandes. Ils nous ont fait un show qui était un véritable show. C'était extraordinaire. Je vous laisse découvrir un peu ça. Ça, c'est le dimanche de la Pâque. Manassé à l'église. Comment il a chanté avec ses bien-aimés et comment il nous a gratifié avec ses shows. Parce que vous aviez forcément besoin d'avoir les informations sur votre artiste. Suivez Manassé Sinda. Ok, nous sommes de retour.
Voilà pour ce qui est des différentes informations qu'il fallait vous offrir ou vous fournir au sujet de Manastar, hein, Soukaina, chanteur animateur de Jésus. En tout cas, tout va bien avec lui, on est toujours en contact, on se parle, on se voit. Il y a quelque chose qui se prépare, ne vous en faites pas. Mais je le dis la fois passée, que nous ne sommes pas là seulement pour Manassé Sinda. Tous nos amis de Madjabou qui voudraient passer leur information, qui voudraient que nous puissions aussi relayer les informations concernant leur parcours, ce qu'ils sont en train de faire, leur vie d'après Madjabou. Nous l'avons dit qu'ils sont le bienvenu. Vous avez vu déjà Christian Lassa. Voilà, Christian Lassa était au micro de notre confrère Olivier Bokole. Vous connaissez Olivier Bokole, qui est l'un des journalistes des passeurs de Zénith TV. Dans l'émission Top Musique, vous avez suivi, c'était la semaine passée, Christian Lassa est venu, il a donné de ses nouvelles, on a fait une très belle émission avec lui, et ça sera le cas avec tout le monde. Donc, passeurs de Zénith TV n'est pas là seulement pour Manassé. Seulement pour Manassé, nous faisons partie de son staff, nous faisons partie de ceux qui l'accompagnent. Voilà pourquoi il a une certaine primaire, mais sinon c'est ouverte à tout le monde. Nos émissions sont ouvertes à tout le monde. Je crois que beaucoup, vous nous avez encouragés par rapport à l'émission que nous avions faite avec notre bien-aimé Christian Lassa, un artiste pétri de talent. Parce qu'il vous souviendra qu'à Madjabou, tous ces artistes-là étaient des grands. Ce sont les votes qui les ont départagés. Mais au jour d'aujourd'hui, on a difficile à dire que tel dépasse tel. Parce que vous avez senti Christian Lassa. Il nous a emballés dans des histoires extraordinaires et on s'est dit, ça, c'est un talent hors pair. Et ça sera le cas avec tout le monde. Si vous connaissez un artiste Madjabou que vous voudriez voir passer ici devant notre micro, dites-lui, donnez-lui notre numéro qui nous appelle. Il n'y a pas de problème. On va faire ce travail. C'est le gospel du Congo. Cette chaîne, c'est Pasteur Dozinique TV, la chaîne de l'édification. Tout ce qui a trait à l'édification, nous sommes ouverts à ça et nous le ferons sans poser, je ne sais pas, de conditions. Demandez à tous ceux-là qui passent chez nous, nous ne posons aucune condition. Rappelez-vous, je vous dis toujours que cette chaîne, c'est Dieu qui me l'a demandé de le mettre en place. Donc, nous sommes là pour l'œuvre de Dieu et nous continuerons à faire l'œuvre de Dieu. Très prochainement, je ne vais pas déjà l'annoncer ici, vous verrez un projet que nous allons lancer avec lui-même Manassé Sinda. Hein? Je ne sais pas, avec lui on est en train de réfléchir sur, d'abord sur la dénomination, comment on va dénommer ça, est-ce qu'on va appeler ça Manassé Chaud, Soukaina Chaud, tout ça, ça viendra avec le temps, nous sommes en train de nous préparer. Voilà pour ce qui concerne les informations de votre artiste Manassé Soukaina, vous avez vu il a été à l'église, je viens de vous dire qu'ils ont été en Abidjan, pour le clip sur la chanson Pascal qui sort ce vendredi. Donc ce vendredi déjà, la chanson va sortir et ça va vraiment encore nous bénir, bénir l'église du Seigneur. Ça sera une très bonne chose. Allez, au soir de ce dimanche, nous étions également avec lui parce qu'il y a la petite sœur de votre ami que vous aimez, hein, Glody. Voilà pourquoi il n'est pas là. Glody, voilà. Allez, sa petite sœur, Bénédicte, s'est mariée. Donc nous étions là dans la soirée avec Manassé, avec tout le monde, et j'ai eu encore l'insigne honneur de pouvoir être le maître de cérémonie dans cette cérémonie de mariage de la petite sœur propre de celui que vous appelez manager Glody. Donc Glody Balisaki, dimanche Glody Balisaki, nous étions là ensemble avec Manassé, avec tout le monde, pour dire que tout va bien, il y a des choses qui se tricotent, des choses qui se préparent, restez avec nous, nous allons continuer à vous donner de la bonne humeur et surtout de l'édification. Allez, on va clôturer le deuxième point de notre analyse pour Manassé Sinda. Donc l'artiste va bien, l'artiste continue à travailler, il va signer 4 titres. Bon, je vais vous dire déjà que parmi les 4 titres, vous allez découvrir encore, il y aura des génériques, oui. Le générique, il y en aura. Il y en aura parce que ça, c'est la marque de fabrique de Manassé Sinda. Hein? C'est la marque de fabrique de Manassé Sinda. Il y aura aussi, il y aura des génériques.
Il y aura des cris, Togolalawa, mais il y aura encore d'autres cris pour pouvoir nous amener encore à célébrer Dieu sans modération. Hein, parce que l'artiste ne s'endorme pas sur son laurier, l'artiste continue vraiment à travailler. Allez, pour terminer, on prend la dernière partie de notre analyse d'aujourd'hui. Et ce que l'entreprise Malutawa et les différentes personnes qui font des actions, qui passent par Malutawa, ne se sont pas fatiguées. Ils ont aussi pensé à Papa Dose. Ils ont aussi pensé à Papa Dose. Alors, parfois il est difficile de parler de soi. Hein, parfois il est difficile de parler de soi. Mais cette entreprise a pensé aussi, ensemble avec les différents partenaires que je venais de citer, Hydro-Québec, Maman Léa Ndimbi, et puis Maman Sociale et les autres, Maman Moda Moda, vous avez pensé aussi à Papa Dozinik. Ce n'est pas seulement à Papa César Sinda que vous avez pensé, mais vous avez aussi pensé à Papa Dozinik. C'est tout un dossier que j'ai fait parce que c'était une surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas. C'était une surprise. Je vous laisse découvrir comment ça s'est passé, comment ils sont arrivés chez Papa Dose et comment ils ont mené cette action chez Papa Dose. Papa Dose aussi n'a pas manqué de mots. Il a parlé après au retour parce que je ne saurais pas trop parler de moi. Ça sera juste un ou deux mots et nous allons clôturer l'analyse d'aujourd'hui. Suivez. Bonjour. Bonjour. Comment va-t-il? Europe, Amérique, Asie, Océanie. On peut s'appuyer sur confiance. Il y a un besoin de la série et qu'est-ce qu'on a vu de supérieur? Ils ont quand même ça. Que n'a pas dit que nous avons dit que nous quelle surprise! Il n'y a pas de bonnes choses. Oh là là! Oh là là! Mais pour nous, nous avons remercié autour d'une émission très spéciale. Mais nous avons un mot pour Malutawa. Loin de moi la pensée, il y a vous à la corrompu. Mais je dis, ça valait la peine. Il y a vous à la. Dans l'entreprise, il y a vous à la Congo, précisément dans Kinshasa. Imaginez-vous que quelqu'un a tiré 500 dollars. Mais après, si on n'est pas moutu moral, 500 dollars, vous pouvez vous sommer là. Pasteur Dose. Soso, semoule, huile, madeshu, sucre, il y a un bon moment, il y a un bon moment. Et quand tu as un bon moment, tu as un bon moment, tu as un bon moment. Complété. Mais avec cette entreprise, n'a suivi le bonanga au complet sans que Moutou, quand on a besoin appelle ça une quelconque raison, un quelconque argument que tant on a joué à Yango, ma bête a des doigts, Yangwana, il a comme une dingue singe la guité. Moi je pense que ce qui n'a pas témoigné, c'est que Bande Wapoto, vous devez faire confiance. Vous devez faire confiance dans Malutawa parce que on est africain, on est bandit, tu vois comment ça se passe. Au lieu du loro, au tinde la qui maman nayo, au tinde la qui papa nayo, au tinde la bande de nayo, au lieu pas que nous ressemblons ma paye à qualité, aspect mon super moine, aspect qualité. Parce que mon kiliné n'est comment, tu auras la première qualité, deuxième, troisième, voire quatrième qualité.
Mais quand vous faites confiance à Malou Tiawa, ok, nous sommes tous les gens qui qualité à l'écolo. Ok, nous sommes tous les gens qui ont été poulés. Nous sommes tous les gens qui ont été poulés. Nous sommes tous les gens qui ont été poulés. C'est-à-dire, dans l'image dans la moelle, c'est-à-dire vous allez acheter un poulet, mais vous achetez un poulet sans sachet, comme ça, et eux, on se permet de l'appeler poulet. Alors que pendant que tu as été tu vis que le poulet, de son marmona et ça bien un akatia sachet dans tout ça, tout ça ça fait partie à mon nom de la qualité. Ouais, il y a un système à couper ça dit là, à couper dit là, vous comprenez, moutou ya zui pour les nos somba et l'on y est confirmé donc à ressembler exactement. Mais avec Malou Tiawa, Malou Tiawa va vous livrer, va livrer la moutou au tindeli bas produit de très bonne qualité et puis la quantité au yo. Vous voyez qui a babé sur la panier. Parce que c'est la chaîne câblée, tu as bouquet tel, bouquet tel. Mais puisqu'ils sont dans le domaine de l'agro-pastoral, je préfère utiliser le mot panier qui tourne. Alors, ceux qui ont pris ça qui m'ont dit, il y a un ticket la bande de Gonaïo, panier par exemple, les libotes. Sois en sûr que le ticket la bande de Gonaïo, il y a panier libota, il y a qualité qui tourne. La preuve là, au bain au tika. Et pas il y a pasteur dosinique. Et ça, donc, au bino moussali n'gaï. Donc, ça se passe ici. Nous allons à Seige, la mise tout d'abord principale, c'est la Rana Canada. Au place de résidence, on est à Seige principale. Mais, tout le monde a station la mission. Et dans les États-Unis, et dans l'Europe. Vous allez à Kinshasa, Kinshasa. Ok. Tu peux te poser d'accord, Néni. Te poser d'accord. Par commande. Ok. Commande ça, ma mine. Na battu à Mara. Où y a Bino, Baza, Kuna, Ibanda. Tu bien à la diaspora. Diaspora, la Mara, Liko, ça se souci. Na bande de Gonaïa, Yamboka, Oyo, à Evindé, la situation, les caca. À partir de la Bango, on fait sa commande. Tant que ma petite commande est petite, on a la siège principal. Ok. Principal est petite, les bisous dans la station, la bisous à tout le monde, les chasses à part. À partir de Wana, les bisous te rejoignent, tu es à domicile. Les bouillés, parce que les bouillés, pourquoi ils s'abattent au hôtel avec les bouillés? C'est ça, il y a. Alors, répondez à la question, plutôt aux autres, on a eu. Donc, tu quittes la soie à domicile pour livraison, les alibis sont chargés à livraison. Mais livraison, la vie, ça, à domicile. Il y a un autre qui papa, pas deux ans. Vous avez un autre ça, c'est très bien. Alors, les alakas, il y a Babino en nature. Tout, mon père, à quoi, au Tine, dans le quartier général, elle a dit que. Par exemple, à Wanda, tu vois, on a pas de bâtiment de l'émission, bâtiment de l'émission pour les. Tu vois, ça, c'est. Et ça va bien, bien vraiment en nature. Hein, bien en nature. Alors, à part bien en nature, Malou Tiawa, ça va se souvenir. Bon, pour les 7 ans à Wana, pour Bandi, on a mis le côté bas sur le bas sur le bas. Ils ont les gars sous entremise dans l'émission. Franchement. Nous sommes dans une situation à domicile. Il y a moins de monde qui ne peut pas dire. Franchement, vous allez oui. Pour l'instant, vous allez à Kingabwa, entreposer à Kingabwa. Entreposer à Kingabwa. Oui, Kingabwa. Là, on est entreposé à Kingabwa. C'est un peu plus de bombes. On va s'aller, comment la partie la Kuna. On va s'aller à Kuman, par la Bosinga Lambo, Ninga Ipe, Aïgoko Salma, les gens, ils ont des gens. Donc, ma panier, tout ça, va bouquer. Puis, nous, ce côté, mais à terre, mais à gros, parce que nous avons un panier. Panier. Ok. Nous avons un panier. Nous avons la différence, sauf que nous panier. Ok. Nous avons la panier. Libota avec riz. Nous avons un peu de riz, mais la globalité, nous avons un peu de riz. Ok. Nous avons la panier Libota. Avec semoule. Ok. Vous avez vu que vous avez un quartier de différence. C'est semoule. Donc on a eu le mot de semoule. Ouais. Vous avez un panier, Moseka. Vous avez un panier, Tongo et Lamou. Vous avez un panier, Tongo et Lamou. Bon, panier, Tongo et Lamou. Tongo et Lamou, déjà tout compris. Tongo et Lamou aussi. Tongo et Lamou, vous avez le mot là. C'est une génie. Ah, ok.
Voilà, nous sommes de retour. Voilà. J'ai beaucoup parlé dans cet élément, vous avez suivi. Voilà, ce n'est pas du montage. J'étais surpris, j'étais chez moi, en train de travailler avec mon équipe. Je crois que vous avez vu, sur notre table, il y avait des machines, nous étions en plein travail. Et du coup, j'ai eu un coup de fil dans lequel on me demandait l'adresse qu'on voulait me voir. Alors, j'ai donné l'adresse parce que je suis de la presse. Je suis ouvert à tout le monde. Je suis également serviteur de Dieu. Je suis ouvert à tout le monde. Du coup, je vois une équipe débarquer chez moi avec de bien, de vivre. Ça m'a vraiment dépassé. Je me pose la question, pourquoi on a pensé à moi? Et après, on m'a donné la réponse qu'ils sont fiers de ce que nous sommes en train de faire. Moi et toute l'équipe, quand je parle de l'équipe, c'est-à-dire et les héros dans l'ombre, et l'équipe, les managers Glody, le Yedidia, tout ça, ce sont des garçons qui travaillent toujours avec moi. Ils ont dit que nous faisons du bon travail. Et par rapport à ça, ils ont quand même pensé à nous pour que nous ayons un peu de lait, que nous ayons un peu de haricots, un peu de poissons salés, un peu de poulet, afin que nous soyons toujours forts pour travailler. Cela est allé, nous est allé droit au cœur. Cela nous est allé droit au cœur. Et nous disons de tout cœur, merci beaucoup, vous tous qui avez pensé à nous, d'une manière ou d'une autre, merci à nous. Merci à vous, merci Maman Léa, merci Maman Sociale, merci Maman Moda Moda, Maman Malou, merci à votre entreprise Malou Tawa. Et j'ai beaucoup parlé déjà dans l'élément, je demandais à ce que vous fassiez confiance à cette entreprise. Si vous m'aimez, moi, votre frère Dozinique, certes je suis un humain, évidemment avec de faiblesses, mais si vous aimez au moins les petites qualités que j'ai et que je mets à votre disposition, je ne vous demande pas beaucoup de choses. Mais je vous demande une seule chose. Canada, États-Unis, Afrique, Europe, partout où vous êtes, passez par Malou Tawa, s'il vous plaît. Passez par Malou Tawa et que par Malou Tawa, le bien arrive à la destination. Et je crois, ça serait pour vous aussi une contribution à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en pleine discussion avec Maman Moda Moda et toute son équipe pour que désormais, Pasteur Dozinique continue à relayer les informations sur ce qu'ils sont en train de faire. Et nous continuerons à le faire parce qu'on a senti ce qu'on appelle la bonne volonté. Alors, cette réciprocité-là doit exister. Maman Malou, merci. Je dis encore, Maman Malou, merci. Maman Moda Moda, merci. Merci à Maman... Allez. Je finirai par maîtriser les noms, ne vous en faites pas. Merci encore à vous tous. Merci à Maman Sociale. Merci beaucoup. Merci à Maman Léa. Merci. Merci. En tout cas, s'il y a quelques personnes qui ont contribué, que j'ai omis de citer les noms, toutes mes excuses, mais je vous dis en tout cas merci.
eloko moka na sengi bino olio tinda mbongo yaya olia somela mama na bino loso ya 50 kilo ake somela ya 25 kilo mbongo mswa degrene apesi ba rezwe bele passe par Malutawa, c'est simple. Parce qu'avec Malutawa et Kokoma, et ce sont des histoires de qualité. N'élément que j'ai parlé de poulet ni. Mais chez Malutawa, il n'y a pas de poulet ni. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'était ça pour les comptes de l'émission Analyse d'aujourd'hui. On va vous retrouver avec beaucoup et plein de bonnes choses. Ne vous en faites pas. C'est un retour à force que nous effectuons. Je l'ai dit à l'entame. J'étais un peu alité avec le surménage. Parce que nous travaillons un peu beaucoup. Mais maintenant, ça va. On a repris. Vous aurez en tout cas deux émissions, vous aurez des informations, vous aurez des prédications. Boîte à promesses revient avec force parce que nous devons continuer à déclarer les promesses de Dieu et le Seigneur fera des grandes choses. Les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, la RDC, Congo-Brazza, Angola, nous vous aimons tous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos encouragements et merci également pour vos critiques. Ça nous permet d'améliorer notre façon de travailler. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de terminer, je vous annonce le début de Gag. Je vous ai annoncé que le film devait commencer. Oui, nous sommes en plein préparatif pour le film. Ne vous en faites pas, le film Papa Prodigue viendra. Mais entre-temps, nous voulons déjà commencer à mettre des gags dans votre chaîne Passer Dozinique TV. Donc, vous aurez déjà des gags. Prenez ces gags-là. Bo Yambango, s'il vous plaît. Je compte beaucoup sur vous. Bo Yambango, c'est une façon de nous donner la force afin que nous ayons le moyen nécessaire pour lancer le film. Le film coûte énormément. Ça coûte énormément. Voilà pourquoi ensemble avec les staff, on s'est dit commençons par les gags, parce que le coût des gags est un peu moindre par rapport au coût des films. On commence par les gags, on va vous balancer les gags, recevez ces gags-là, c'est des gags éducatifs, mais c'est aussi fait à l'idée de vous donner de la bonne humeur, de vous amener un peu à rigoler. Recevez ces gags-là, si vous nous aimez, recevez ces gags-là. Ça me fera mal de voir que tout est gag. Et ça lui mille, un cas, deux cas, et ça la passe. N'est-ce pas pour ta cabisse, s'il vous plaît. Pourquoi pas dans mon agag et que vous 50 cas, 60 cas, 70 cas. Ça, je vous demande, j'ai confiance. Ma maman n'anga et ma papa n'anga. Vous avez Bélé, évangéliste Williams. Hein? Et papa Richard Mboukou. Hein? Papa Richard Mboukou, na Caroline du Nord. Vous avez Ebele, papa Richard, tu tournes en gana, on soutient dans le film. Chaîne na biso moro yango yo ba film et kozala. Maintenant, tu l'as mis dans gag, n'a pas cette dose na sala gag te, na kokate, n'a pas zoé na ba film. Maintenant, tu l'as mis dans gag, bo kouta na ba terre bo lingaka, ba moukwata bazana kati, ba liyanzi bazana kati, ba vie de loin, bo mona ba on a ba gag, m'sou ezo ya, parce que tu es en plein ma tournage nango, mais tu es au tchè la bino, oyeza déjà prêt. Maman Léontine Nadala, Bino Nyonso, Mama Solange, Bino Nyonso, Ba Mama Nanga ya Suisse, Ba Mama Nanga ya Paris, Ba Papa Nanga Bino Nyonso, Papa Manasse na Paris. Bon, Ba on a autant à tes apôts, Ba Kombo Ezo Yate, O Ezo Yelanga de Yangon Azoloba, mais Bino Nyonso, Eza Chen na Bino, Bo Porte Yango O, Na Sengi Yango Yako Senga, Ngamutu na Sengi Bino, Bo Porte Yango O, Na Lingi na Gaga di Bosoka Tozo Tcha, Na sentir que Gag et Kei, Bozoyango, Bo partage na bato, Bo tinde la bato, et Kende, et au pèse abiso ma coquille, vérité sko yangwana, et au pèse abiso ma coquille, potose la bino sko ba film et ba couple, otola kakibino, on est déjà prêt, tout est prêt, mais kou ya film et amoua l'ikolo, yango tobi, to bandi na gag, gag et pèse a souffle, afin que to lance sikoyo, ba film et wana. Je sais, Kende na lobi boye, vous allez belé pour vous simbali kambo bo memango tika nzambe ya papa nanga mo simbali wa pamola bino. Je vous aime beaucoup, nous vous aimons beaucoup, moi ensemble avec toute l'équipe. Merci à vous tous, merci pour vos remarques, merci pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans les prochaines émissions parce que là c'est non-stop, attaque sur attaque, parce qu'on est maintenant en bonne santé, rien ne va plus nous déranger à travailler. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Pasteur Dozinique TV, la chaîne
de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.